Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, cette vidéo qui fait suite à celle sortie la semaine dernière où on voyait des plans proposés à partir de formes, d'accord. Ça nous permettait quelque part de déployer la couleur proposée par l'accord et puis ça nous permet aussi un petit peu de nous faire les doigts et puis d'avoir une vision nouvelle sur le manche, une vision parfois verticale, une vision parfois transversale, ça dépend vraiment de chaque mort. Donc on continue dans ce sens-là. À présent avec des accords dont la fondamentale se trouve sur la cinquième corde et on y va tout de suite. Un plan à rejouer sur l'accord de Ré majeur ou éventuellement Ré 7. Voilà, ça c'est comme vous le sentez. Toujours est-il que la fondamentale se trouve ici. Et là, on va d'abord déployer ce plan en allant vers le registre grave. Vous voyez, on monte jusqu'au Ré à l'octave supérieure et on redescend. Là, j'ai fait un petit glissé, mais on peut parfaitement faire un petit lié. Voilà, le côté bluesy est notamment rendu par le fait de jouer ici la tierce mineure et de tordre cette note-là. Voilà, ça, on adore. Enfin, perso, moi, j'adore. La deuxième partie de ce plan-là, on va avoir une vision transversale du manche. Donc là, on déroule la pentatonique de Ré majeur. On part de là. Ça, c'est la première octave. Et on va faire grosso modo la même chose, mais à l'octave supérieure. Voilà, là, c'est super simple. On est parti de cette forme d'accord-là. Et on a exploré le manche dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. À présent, un plan basé sur la couleur de Fa mineur 7. C'est un plan qui a clairement une couleur dorienne. Et bien sûr, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on peut aussi simplifier ces accords-là. Là, j'ai choisi cette couleur-là qui est une couleur moyennement enrichie, mineur 7. On peut bien sûr la simplifier. Donc on a un accord mineur 7, bien souvent c'est une couleur dorienne. Et là je me suis même amusé à utiliser la gamme mineure mélodique de Fa pour encore épicer davantage le discours. La couleur mineure mélodique, elle est rendue par le fait d'utiliser non plus un mi bémol, mais un mi bécard qui tend bien sûr vers la note Fa. Voilà, c'est cette note-là qui pourrait frotter, si on n'a pas forcément l'habitude de ce type de sonorité. Et ensuite, cette couleur dorienne est appuyée par ces plans en quarte, inspirés par un guitariste que j'adore, qui s'appelle Jim Hall. Grand guitariste de jazz, si vous ne connaissez pas, je vous invite bien sûr à aller jeter une oreille à son travail. Voilà, un plan en quarte qu'on décale. Et on revient sur la couleur initiale, qui est bien sûr celle de Fa mineur 7. Couleur dorienne, dans ce cas présent, par rapport au phrasé proposé. Un nouvel accord, à présent on va explorer la couleur de Sol 7, Sol 9. Alors le premier accord que j'ai fait c'était le suivant. Puis vous avez remarqué à la fin de l'exemple, je fais ce voicing là. Ouais, tout ça c'est la même famille, simplement l'accord de 9e il est plus enrichi que l'accord de 7e. Mais la fonction et la couleur sont exactement les mêmes. On commence en allant explorer d'abord la région supérieure du manche. Ça fait un petit peu écho à un plan qu'on avait vu précédemment. Et ici, la couleur de 7e, elle est marquée par l'utilisation de la 7e mineure ici. Là. Vous
Ici, la tierce mineure qui est tordue, le côté bluesy. Hein. J'attire votre attention sur les doigtés utilisés. On commence par le troisième doigt. Ensuite, premier et deuxième doigt. Ensuite, 1 et 3. Ensuite, deuxième doigt. Et après, premier et quatrième doigt, une petite extension pour aller chercher le Fa. Et après, on a besoin du troisième doigt pour aller jouer ici le Do. Et cette couleur de septième, elle est appuyée par le plan qui suit. Et vous entendez que dans ce plan, il y a un chromatisme. Le Sol qui va vers le Fa en passant par le Fa dièse. Voilà, et on s'arrête bien sûr sur cette note qui est la septième mineure de l'accord. Voilà, ça c'est complètement le genre de plan que j'aime beaucoup. J'adore cette couleur-là, légèrement en suspens de l'accord de septième. À présent, on va partir d'un accord altéré. Et on va jouer la gamme mineure mélodique de si bémol. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans des considérations théoriques et harmoniques trop complexes. En tout cas, pensez bien à essayer de mémoriser ce schéma-là. Et dans ce plan-là, on va chercher à tourner autour des notes qu'on a déjà jouées dans l'accord. Par exemple, on commence ici par le La. Vous voyez, là, pour le moment, ce sont que des notes de l'accord. Ça, c'est le type de broderie très simple à mémoriser qu'on peut faire autour d'un accord aussi tendu que celui-là. Et j'ai continué mon développement. Voilà pour ce plan autour de cet accord altéré qui a toujours une fonction assez particulière, qui est riche en tension et qui est là en fait pour se résoudre. Voilà, là, le cinquième degré étant cet accord de La septième altéré qui résout sur un premier degré, par exemple un accord de Ré mineur. Et bien c'est tout les amis pour cette vidéo de plans proposés à partir de formes d'accords bien connues. En tout cas, j'ose imaginer que vous connaissiez la plupart. Je vous propose à présent de prendre votre guitare et de faire votre propre expérience, d'essayer de reproposer ces plans dans des contextes musicaux. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là les amis, n'oubliez pas bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager ce contenu, aller sur le Tipeee pour récupérer les partitions format PDF et Guitar Pro. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Vive la guitare, vive le blues, ciao.